L'homme sans jour kidnappé yon youtubeur américain, yon gros youtubeur américain très connu aux États-Unis et même à travers le monde. Information ça fait buzz à travers tout gros média qui gagne aux États-Unis. Gen en pile journaliste qui convine réaliser reportage dans le pays d'Haïti commencer poser tête en pile question à cause kidnapping ça que l'homme sans jour lui-même li fait sous yon gros youtubeur américain très très connu. Eh bien, nèg yo a demandé est-ce que yo même yo à l'abri. Selon élément d'information qui rive je nous ta fait quoi youtubeur ça qui relé Addison Pierre Malouf lui-même li te gagné pour te vin faire yon interview avec Jimmy Cherizier di barbecue. Eh bien, selon élément d'information qui rive joindre nous, l'homme sans jour kidnappé journaliste ça ou bien youtubeur ça depuis 14 mars qui saute passé. On va le permettre nous garder yon petit vidéo. Petit vidéo ça côté youtubeur ça lui-même l'était dans un hôtel au Cap Haïtien. Après ça pour le rentrer Port-au-Prince pour le venir réaliser interview ça ensemble avec barbecue. Eh bien pendant le sous route la pentrée, eh bien la mort sans jour mettait la patte sous lit. M'bral bo tout détail. T'as semblé gen gros escombrite en dedans vivre ensemble parce que gen nèg nan vivre ensemble qui fâché à cause de kidnapping si là. Rete là, pas déplacé. M'bral ba nou détail, nous saute mettez bout nou en l'air, nous saute mettez pied nou à terre, nous joine avec élément d'information. Nous bral saisi tendez ça gagne actuellement là nan Port-au-Prince à cause kidnapping ça. On a regardé ti vidéo ça côté youtubeur lui-même l'était nan au Cap. So we actually cannot leave to Port-au-Prince until the morning because it's already 6 p.m. and if we leave right now, we'll get there while it's dark. It's about a 6-hour road trip. We'll get there while it's dark and that place is completely run by gangs. So you don't want to be dealing with the gangs even though we have safe passage, we're already approved. All it takes is one stupid gang member holding an AK-47 for one thing to go wrong. So we're not taking that risk at night. We're going to be leaving at 3 in the morning. I just really wanted to show you guys the view from this hotel. We are the only people in this entire hotel. Everybody else is workers, employees, etc. Because no one's allowed into the fucking country. So there's no tourists here, okay, other than those Royal Caribbean guys. But I have the entire hotel to myself. Look at that view, man. You got the mountain range, you got the sun setting. Okay, you have entire Cap Haitian over here. And we've got a pool, which I wasn't gonna take advantage of, but how many times in your life are you the only person in an entire hotel? Madame, monsieur, ça c'est yon petit vidéo côté YouTuber, ça lui-même l'été fait. L'elte fait rentrer dans le pays d'Haïti. Élément d'information qui arrive joindre nous, Addison Pierre Malouf, que tout le monde relaie Malouf. Eh bien, monsieur lui-même, c'est un YouTuber qui très connu, très populaire aux États-Unis et même à travers le monde. C'est un mec qui gagne environ 1,4 million de monde qui a suivi sur une page YouTube. Monsieur lui-même, il prend plaisir à réaliser reportage dans tout côté. Nous connaissons qui gagne gros l'obéille dans le monde là. Monsieur fait Afghanistan, son nek qui fait Irak, son nek qui fait la Syrie, c'est on nek qui a les côtés, nous qu'on est tout taliban, tout go terroriste qui gagne dans le monde là. Monsieur a réalisé reportage ensemble avec eh bien go chef rebelle Sayo. Eh bien, selon élément d'information qui arrive joint nous, Addison Pierre Malouf, lui-même, il était rentré Port-au-Prince. Il était rentré Port-au-Prince dans l'idée pour t'al réaliser un reportage ensemble avec barbecue. Selon élément d'information qui arrive joindre nous. Dans le moment où on a parlé à la, il y a un gros escombrite dans Port-au-Prince avec et kidnapping ça. T'as semblé gagner yon malentendu dans moment dans mitan nèg yo parce que kidnapping ça traînait des yel en pile réaction à travers le monde. Kidnapper yon youtubeur ou bien yon journaliste à travers le monde. Journaliste libre pour y rentrer quel que soit côté ya pour y aller réaliser reportage. Automatiquement, y joue une faveur, eh bien, chef de gang nan, ou bien chef rebelle qui nan zone ça. Eh bien, élément d'information qui rive joue nous ta fait quoi? Eh bien, les monsieur fin rentrer au Cap, parce que nous connaissons Port-au-Prince, y'a pas qu'à descendre, pas qu'un avion qui descend Port-au-Prince, eh bien, il descend dans l'aéroport au Cap là. Pendant le descend dans l'aéroport là, li passe soirée dans yon hôtel ensemble avec yon haïtien.
Pendant monsieur dans hôtel là, il réalise ti vidéo ça qui me permet nous garder. Eh bien Addison Pierre Malouf qui gagne 1.4 million moun k'ap suivre li sur YouTube et son nek tout qui très 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 populaire aux États-Unis. Élément d'information qui rive joindre nous. Papa, maman, c'est immigrant yoye. C'est ressort, c'est incapable de dire, c'est arabe yoye. Mais Malouf, lui-même, lui fait aux États-Unis. Monsieur, lui-même, la vive Georgia. C'est là, monsieur habité. Eh bien, pendant monsieur descend, lui vient réaliser interview ça avec Barbecue, selon élément d'information qui lui veut joindre nous. T'es gagné une prise de contact qui t'est faite par téléphone, que tout bagaille t'est clarifié, que lui-même l'a rentré, vient réaliser reportage là. Malheureusement, pendant monsieur a rentré dans la capitale là, eh bien, il est tombé sous nègre, l'amour sans jour, mettez la patte sous monsieur. Malgré l'amour sans jour, monsieur identifié, malgré l'amour sans jour, ouais, monsieur, c'est matériel journaliste qui n'en mêle, nègre là son reportage que nègre là vient faire, son interview et spécifique, il a vient faire avec Barbecue concernant ça qui a passé actuellement là dans le pays d'Haïti, et faut que nous disions un moment, il y a un pile journaliste à travers le monde qui rentre dans le pays d'Haïti, vient faire interview avec Barbecue. Élément d'information qui arrive joindre nous. T'assemblée Barbecue lui-même en personne fait intervention bon côté l'amour sans jour pour libérer eh bien Addison Pierre Malouf. L'amour sans jour kidnappé Addison Pierre Malouf depuis 14 mars qui s'est passé ya. À noter que jodi a c'est 29 mars, gagne plus passé yon quinzaine, bon capable dire yon quinzaine jour, presque monsieur presque gagne 15 jours dans mais l'amour sans jour. Eh bien bon côté yon proche eh bien YouTube ça l'amour sans jour mande yo $600,000 américains pour yo libérer. Eh bien, famille ta baye $40,000 américains. L'amour sans jour prend $40,000 américains, li pa décide libérer Addison Pierre Malouf, li kembel, li kampete nou face, li dit fok l'argent baye. Et nan mouman nan tout journal aux États-Unis, à travers le monde, bagay sa fon boz, yo presque isolé Haïti, yo presque pa voye journaliste encore rentrer dans le pays d'Haïti, parce que tout journaliste qui nan monde lan, yo di yo pa à l'abri encore nan vin réaliser reportage dans le pays d'Haïti. Comme on t'a vle pour yon YouTuber qui très connu, très populaire aux États-Unis, yon est qui réputé nan aller dans tout côté qui très hostile, qui très dangereux dans le monde là, yon est qui brachita avec djihadistes, nèg Al-Qaïda, yo gros terroriste nous connaît qui gen dans le monde là, la chita pa aller réaliser interview, faire émission ensemble avec lui pour la prendre très vite Haïti et puis pour nèg yo kidnapper, yo mande $600,000 américains, famille en bay 40,000, yo di yo pas libéré. Eh bien l'autre journaliste surtout, yo di yo même yo pas à l'abri, qui donc y a réfléchi en pile avant pour yo ta mettre pied yo dans pays d'Haïti vinn réaliser un reportage. Eh bien élément d'information qui rive joindre nous ta fait quoi, gen nèg nan vivre ensemble qui fâché parmi yo Barbecue. Élément d'information qui rive joindre nous, Barbecue relé l'amour sans jour d'après yon source que nous-mêmes nous capables faire confiance. Eh bien source ça que nous gagnons à terre, source là t'a informé nous, source là dit nous t'a semblé Barbecue lui-même li t'a fait yon intervention bon côté l'amour sans jour pour demander l'amour sans jour tant pris frem libérer YouTuber pour nous parce que c'est moi même li t'a vinn joindre d'après yon source. Eh bien source t'a fait nous connaît que l'amour sans jour lui-même qui kidnappé eh bien YouTuber là c'est Barbecue li t'a pral joindre, li t'a pral faire yon interview avec Barbecue. Eh bien puisque la personne en question, élément clé, l'élément principal dans ce dossier n'est autre que Barbecue. Eh bien, Barbecue lui-même, il vient tout, il suppose faire tout ça nous connaît possible pour, eh bien, YouTube ça libérer dans le moment. Eh bien, divers éléments d'information qui ont circulé, t'as fait quoi? Eh bien, Barbecue t'a relé l'amour sans jour pour demander l'amour sans jour. Dégage au frame, libérer, eh bien, YouTuber là, ou qui t'en prend l'argent, ou qui a $40,000 dans mon fond façon, libérer. Kounya là, est-ce que action ça, pas pral craser mouvement vivant ensemble? Est-ce que action ça, pas pral mettre yon dans nan mitan nèg yo là? Vous imaginez, gen journaliste CNN, gen Al Jazeera, gen Fox News, gen
journalistes qui sorti en Suède, qui sorti tout côté dans le monde là, il a réalisé interview avec barbecue en bas. Genan yo qui dormi levé en bas. Nèg yo fait une série de beaux reportages. France 24, RFI, voyez journaliste, TV 5 Monde, yo voyez journaliste al réaliser des reportages avec barbecue en bas. M'pa konnen si nou t'ap suiv dernier reportage nèg yo te fait, France 24 te fait, kote n'ap gade nèg yo, yo sou on do kay nan mi, bon airport la nèg yo ap tire sou airport la. Konnen la journaliste sa yo vin ap pose tèt yo question, est-ce que yo même yo à l'abri? Est-ce que sa krive et Addison Pierre Malouf lan, est-ce qu'elle pas privé yo? Kounya la, nou pral trouver la, nèg yo, nèg vivant ensemb yo, yo pral trouver yo la nan yon situation côté tout gros média nan monde lan pral di, nèg sa yo ce sont des cannibales, yo pas mérité pour moun vin côté yo, mais les youtubeurs descend la yo kidnapel, c'est comme ça tout si RFI vous un journaliste en bas yo ka kidnapel c'est comme ça tout et si CNN vous un journaliste en bas nèg yo ka kidnapel parce que nèg sa yo pa gagné état d'âme. Est-ce que barbecue qui c'est président vive ensemble? Est-ce que barbecue qui c'est porte-parole vive ensemble? Est-ce que barbecue pral ramener nèg sa yo à l'ordre parce que nèg yo di yo pa fait kidnapping encore parce que nèg yo di kounya la c'est révolution y a fait. Pendant qu'il a fait révolution, hein? Mais c'est vrai, c'est un étranger, c'est un ressortissant étranger. Nèg la son, c'est comme si son journaliste lié. Nèg la c'est une mission, il vient remplir. Il te gagne en entente li ensemble avec nèg yo pour venir réaliser une interview. Est-ce que pral gagne un chita parler comme nèg yo en pile nan yo? Yo gon long distance qui sépare yo. Jean yo habitué fèl déjà. Est-ce que gon réunion qui pral fait encore? D'après yon source, eh bien, gen yon groupe vive ensemble, kote le nèg yo ap réuni, yo fè réunion yo par appel conférence, kote barbecue ti la, pi tout chef gang yo net, nou konnen gen nan pays d'Haïti, yo souligne ensemble, y'a fè réunion. Est-ce que kounye ap pral gon réunion pral fèt? Est-ce que yon pral ra les oreilles lot pou di sa pa supposé fèt? Et fòk nou di nan moment, nèg yo sans écraser mouvement à travers kidnapping ça que l'homme sans jour lui-même lui fait sur ressortissant américain ça n'a dit Addison et Pierre Malouf lui-même qui gagne et descendant et maman le papa qui c'est arabe eh bien monsieur lui-même il t'a vive Georgia aux États-Unis c'est la monsieur t'a vive Georgia aux États-Unis eh bien c'est on est qui gagne 1.4 million moun kap suiv li sou YouTube n'a pas rappelé monsieur ça n'a pas gardé sous écran ça c'est on est qui gen kroui c'est on est qui pa peur c'est on est qui habitué aller dans Moyen-Orient c'est on est qui habitué à chita parler à tout gros bandi nous connaît gen dans mode là réaliser des interviews des émissions très sensibles très dangereux et monsieur c'est dans ça le prend feeling ni on prend monsieur pour lui même l'elle senti la l'aise l'elle senti la fait job li a c'est là li nan mitan nèg yo pile bal a pété et puis l'autant de bien l'obéi c'est là ça monsieur sentil à l'aise pour le faire travail li c'est ça que fait monsieur pas de problème pour te rentrer vinn réaliser yon interview avec barbecue d'après yon source que nous capable faire confiance eh bien source là fait nous connaît barbecue confirmé eh bien Addison Pierre Malouf YouTuber ça c'est lui-même li t'a vinn interviewé vu situation de panique qui gagne au niveau de Port-au-Prince pas gen avion qui atterrit dans Port-au-Prince avion sorti aux États-Unis yo atterri au Cap monsieur passé soirée à dans un hôtel au Cap eh bien li réaliser ti vidéo ça nous t'a regardé pour dire nous que li atterri dans pays ya et donc li pral réaliser un reportage qui donc li pral mettre et li pral mettre bagaille dans même moun yo li pral faire un autre bagaille fois ça c'est en Haïti lié c'est pas dans Moyen-Orient lié eh bien li Haïti la montre moun yo vu ya la montre moun yo l'mer ya la montre moun yo paysage là comment ça pral lié le lendemain malheureusement dans jour qui était 14 mars là pendant la quitter au Cap pour rentrer Port-au-Prince l'an mois 100 jours
lui-même li mettait la patte sous lit. Comparativement avec un pile élément d'information qui a circulé qui t'a fait quoi c'est barbecue qui t'a kidnappé monsieur, eh bien élément d'information yo t'a fait quoi c'est la mort sans jour et gagne un sous-tout qui proche barbecue qui confirmé pour nous que barbecue relé la mort sans jour et jodi a même d'après yon source li était environ 4h30 jodi vendredi 5 vendredi 29 mars 2024 là barbecue relé la mort sans jour li mandé pour libérer Addison Pierre Malouf qui nan mel depuis 14 mars qui sont passé ya et gen élément d'information tout qui t'a fait quoi li t'a gagné yon haïtien ensemble avec. Alors c'est élément c'est principal élément d'information ça que nous t'ai porté pour dans quatre émission c'est là dans ça qui gen avec kidnapping ça sur ressortissant américain ça nous bon rendez-vous pour yon nouvelle émission concernant tout ça qui a dominé actualité dans pays d'Haïti tant qu'au international là. Merci.